C'est vous qui faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous. Les membres du gouvernement étaient ce mercredi 21 septembre 2022 en conseil des ministres à l'issue du conclave gouvernemental. Plusieurs décisions ont été prises, en l'occurrence l'approbation des statuts de la Société nationale du bois, SONAB SA, la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. On va suivre un extrait de ce conseil des ministres présenté par le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouti. Au chapitre des communications, en point 1, paiement d'indemnités dues aux personnes affectées par le projet d'aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togbin. L'expropriation en vue de l'aménagement du dit périmètre est motivée par la mise en œuvre de divers projets d'envergure, dont la construction d'un boulodrome aux normes internationales, destiné à abriter la Coupe du monde de sport boule, d'un hôpital de référence et d'autres infrastructures d'intérêt général. Conformément au texte en vigueur, un expert a été commis pour réaliser les évaluations foncières et immobilières. Sur la base de son rapport, le Conseil a autorisé le paiement des personnes affectées par la rectification des coordonnées géographiques et la redéfinition de la zone de développement touristique exclusive de la route des pêches. En point 2, indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation d'un carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjigbé et d'aménagement d'un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tangbo-Djévier. Au terme des travaux de la commission interministérielle chargée d'évaluer les indemnités à verser aux personnes impactées sur leur terrain, bâtiments et accessoires de toute nature situés dans l'emprise des travaux et frappés de servitude de reculement, 35 sinistrés ont été recensés sur l'ensemble du projet. Les diligences techniques et administratives qui conviennent ont été accomplies. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour l'indemnisation des intéressés. En point 3, exécution de la phase 3 du projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Les travaux de cette phase intègrent le raccordement de la zone de la cité administrative d'Ahosugbeta en vue de sa mise en exploitation prochaine. Ils prennent également en compte des agglomérations urbaines des localités de Huedo et de Toba. Leur réalisation intervient dans le cadre du projet de l'accès universel à l'eau potable. Le Conseil a donc approuvé la contractualisation avec l'entreprise retenue et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne exécution des travaux. Puisqu'on parle du gouvernement, on y reste cette fois-ci en collaboration avec la Fondation des États-Unis pour le développement de l'Afrique. USAIDF compte soutenir davantage les petites et moyennes entreprises à travers une foire des produits des bénéficiaires du programme de ce partenariat. En prélude à cet important rendez-vous, une conférence de presse a été organisée à cette conférence de presse. Melvin Achabi, Nafissato Assanoui étaient les représentants de notre rédaction. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin, compétir et lutter contre la pauvreté par la création d'emplois. Ce sont autant d'objectifs que vise le partenariat entre l'USADF et le gouvernement du Bénin. Ce partenariat intervient dans tous les secteurs d'activité à travers les filières phares retenues par le gouvernement. Nous pouvons citer la production végétale, l'écotourisme, le maraîchage, le marché de bétail et également le warrantage. À ce jour, le partenariat nous a permis du moins de créer près de 11 616 emplois au Bénin ici. Et surtout avec la seconde phase qui a démarré en 2018, avec le doublement de la contribution de la partie béninoise pour pouvoir capter des ressources au niveau de la fondation, nous avons impacté plus de cibles qu'avant. Le coordonnateur des pays membres de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, explique le rôle que joue l'agence pour accompagner les petites entreprises dans leur fonctionnement. L'USADF accompagne
les petites et moyennes entreprises dans leur phase délicate de création et de croissance, en leur apportant toute l'assistance qu'il faut pour les rendre très compétitifs et également contribuer à l'histoire économique de leur pays, notamment à la croissance économique, mais également à la sécurité alimentaire, tout en créant beaucoup d'emplois. Et dans le cadre de ce partenariat renouvelé en 2018, nous avons pour objectif fondamental d'appuyer des entreprises locales compétitives, génératrices d'une croissance durable et inclusive. Cela étant, nous aidons les petites entreprises à pouvoir créer, avoir accès à des marchés plus rémunérateurs et également produire des produits de première nécessité tels que le cari, la production du maïs et autres. Des critères bien définis sont énoncés ici par le directeur de la promotion des petites et moyennes entreprises pour permettre aux personnes ou entreprises désireuses de bénéficier de ce partenariat. Il faut d'abord être une petite ou micro, petite et moyenne entreprise enregistrée régulièrement, c'est-à-dire légale, ou une coopérative, une société coopérative enregistrée légalement, mais qui exerce au Bénin. Il y a une plateforme pour vous candidater. Si le plan d'affaires est retenu, on vous appelle pour aller faire un suivi sur le terrain. C'est après ça qu'on pourra vous attribuer votre subvention. Et la subvention, c'est entre 100 000 $ et 250 000 $. Et en CFA, la contribution, c'est entre 50 millions et 125 millions. De 2016 à 2021, 41 subventions au total ont été accordées pour 2025 petites et moyennes entreprises. Notons que ce partenariat impacte toutes les communes du Bénin. Il s'est ouvert ce mercredi 21 septembre 2022 le 6e séminaire régional sur le VIH pédiatrique en Afrique du réseau Enfants et VIH en Afrique EVA. Cette rencontre qui s'étendra jusqu'au 23 septembre prochain vise à accroître le dépistage, le traitement et la qualité de vie des enfants vivant avec le VIH. Ce séminaire a connu la présence de plus de 80 participants venus de 12 pays d'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre, regroupant soignants, organisations de base, programme national de lutte contre le VIH-Sida et les partenaires techniques et financiers. Reportage Modeste Dostogui. Optimisation des traitements antirétroviraux pédiatriques, c'est précisément sur ce thème que se déroule le 6e séminaire régional sur le VIH pédiatrique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une initiative du réseau Enfants et VIH en Afrique en abrégé EVA. Cette rencontre, qui s'étendra jusqu'au 23 septembre 2022, vise l'amélioration de la synergie entre services médicaux et interventions communautaires pour faciliter l'accessibilité au diagnostic, au traitement, au suivi et l'accompagnement des enfants et adolescents vivant avec le VIH. Pour la présidente du conseil d'administration du réseau, le thème choisi est en parfaite adéquation avec les défis qui s'imposent aux professionnels du secteur. Le réseau EVA est un réseau qui rassemble les acteurs de la prise en charge du VIH dans 11 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le réseau EVA, ses défis sont l'identification, le diagnostic, la mise sous traitement et le maintien des enfants sous traitement. Nous devons relever ce défi et nous pouvons le faire. Aussi, nous sommes convaincus à EVA que toutes les actions, toutes les politiques, toutes les stratégies ne sauraient être une réussite sans une participation inclusive de tous les acteurs. 3 jours durant, les participants venus de 12 pays d'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre échangeront leurs expériences en vue de formuler des recommandations pertinentes à mettre en œuvre au niveau des différents sites affectés par le réseau EVA. Des efforts ont été fournis par nos différents gouvernements, les partenaires techniques et financiers et les différentes organisations avec des résultats encourageants, notamment la baisse du nombre de nouvelles infections et du nombre de décès liés au VIH. Je reste confiant que ce séminaire qui réunit les acteurs qui œuvrent pour l'amélioration de la prise en charge pédiatrique du VIH permettra d'approfondir le diagnostic et proposer des solutions
efficiente pour infléchir la tendance actuelle. La pandémie de la COVID-19 a par ailleurs constitué un frein au cours de ces deux dernières années dans la lutte menée. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons repenser les politiques et stratégies afin d'aboutir à l'élimination du VIH d'ici l'horizon 2030 et accélérer les efforts vers une génération sans sida en Afrique de l'Ouest et du Centre. Chaque enfant a le droit de naître sans le VIH, de grandir sans le VIH tout au long de l'adolescence et, pour les enfants déjà infectés par le VIH, de vivre sans le sida. Né en 2010, le réseau pédiatrique EVA regroupe les soignants de 16 des plus importants centres de pédiatrie dans 12 pays d'Afrique francophone. Elle mène des activités telles que le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les soins et l'accompagnement des enfants et adolescents vivant avec le VIH-SIDA, le plaidoyer au niveau des pays et au niveau régional pour une meilleure prise en compte du VIH pédiatrique, la mobilisation de financement domestique et les questions de formulation pédiatrique des antirétroviraux. Le VIH n'est pas coronaire. Oui, tu peux toucher la personne qui a le virus et sans problème. Tu peux même manger avec elle. Un compte rendu signé Modeste Dosotobi doit... Kakpo, prolongation du délai d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire. Cette mesure de l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP fait suite au plaidoyer formulé par les membres de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix. L'information a été rendue publique hier à la faveur d'une rencontre avec les hommes des médias par le gestionnaire mandataire de la NIP, Cyril Goubedji. Nafissatou Hassani, bonne aventure à Lorient. Les membres de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix COSEP Bénin face au gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ont formulé quelques doléances en faveur de la population béninoise en général et aux personnes handicapées en particulier. Nous plaidons pour que les candidats des partis politiques pour les législatives 2023 tiennent compte des besoins des populations dans leurs projets. Nous plaidons pour que la NIP prolonge encore la période de publication de la liste électorale informatisée provisoire. Nous plaidons pour que la NIP tienne compte des doléances des personnes handicapées pour qu'ils puissent avoir accès à la liste électorale. À cet effet, Cyril Goubedji éclaire la lanterne et apporte des réponses aux différentes plaintes et répond favorablement aux doléances faites par la présidente de la COSEP Bénin. Madame la présidente, la question de la protection et de la promotion des personnes handicapées fait partie des problématiques que le gouvernement de son excellence, M. Patrice Talon, a adressé à bon escient en œuvrant pour l'avènement de la loi irrelative, la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, en réponse à une obligation conventionnelle, universelle d'ailleurs, concernant les droits des personnes handicapées. Vous avez, Madame la Présidente, recommandé et souhaité que la période d'accès à la consultation de la liste électorale par affichage puisse être prorogée. Le 8 novembre prochain, nous devons remettre la liste définitive à la Sénat. Donc nous sommes dans moins de 2 mois. Mais je peux vous dire, Madame la Présidente, que sur la base de votre plaidoyer, l'Agence nationale d'identification des personnes affichera une nouvelle édition de la liste dans la période du samedi 1er octobre au samedi 15 octobre, pendant 10 jours. Une version à jour de la liste électorale informatisée provisoire. En ce qui concerne les préoccupations relatives à l'accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'accès aux soins de santé, le gestionnaire mandataire estime que plusieurs efforts sont faits et continuent d'être faits dans ce sens depuis l'avènement du gouvernement de Patrice Talon.
Et puis les citoyens ne pouvant pas se rendre dans les centres d'affichage de la LEI provisoire peuvent se référer aux différentes plateformes de l'Agence nationale d'identification des personnes pour vérifier leurs données. Ils peuvent également demander le transfert d'un centre de vote à un autre selon leur lieu de résidence actuel. Ce sont là les autres mesures prises par l'ANIP que nous présente ici Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur Internet lei.anip.bj et la page s'ouvre, leur demande leur numéro personnel d'identification, ils renseignent ce casier-là, puis cela affiche leur adresse électorale, leurs données électorales, leur centre de vote. Et la page leur demande également à un endroit, voulez-vous faire un transfert? S'ils cliquent oui, une autre page s'ouvre et les données qu'il avait consultées reviennent en format modifiable et il choisit le centre de vote de son choix, dans la commune de son choix, dans l'arrondissement de son choix, dans le quartier ou village de son choix. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont un téléphone ordinaire, nous les avons également pris en compte. Il s'agit simplement pour eux de pouvoir consulter leur présence et découvrir leur adresse électorale. Il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Cela va afficher au bout d'environ demi seconde ou une seconde leur adresse électorale, les informations nominatives et personnelles et le centre de vote. Et s'ils veulent faire un transfert, puisqu'ils sont sur un terminal qui ne permet pas de faire le transfert, ils ont quand même connaissance de leur centre de vote. Ils peuvent se rendre dans leur arrondissement ou dans un arrondissement pour dire, j'ai vu mon centre de vote, mais je vais faire un transfert. Nous avons mis en place des agents d'appui à l'inclusion numérique qui sont là pour les aider à faire le transfert durant toute cette période, c'est ce que nous avons mis à la disposition de la population. Voilà, Claire. En page éducation à présent, dans ce journal, pendant que certains apprenants renouent avec les salles de classe, les plus petits de 3 à 4 ans font leur entrée en maternelle. Ils découvrent un milieu qui ne leur est pas familier et donc devront être désormais s'y habituer. La maternelle, une classe enfantine, suscite cependant moult polémiques au sein de l'opinion publique et pour cause, on s'interroge sur son utilité. Doit-on passer par la maternelle avant le cours d'initiation? La question a intéressé une équipe de notre rédaction. Voici le fruit de leur sortie. La maternelle, une étape d'initiation des tout petits enfants au monde scolaire. C'est également une étape d'apprentissage de la vie où ils sont appelés à vivre en dehors du quotidien de la maison. Soucieux de l'éducation de leurs enfants et dans l'optique de leur transmettre une formation adéquate, certains parents ne négligent pas cette classe de la maternelle. À mon humble avis, je pense que la classe de maternelle, elle est très très importante déjà parce que ça libère aussi les parents. Autre que ça, ça permet déjà à l'enfant, dans sa petite enfance, déjà d'apprendre à vivre en société, à comprendre que dans la société, on ne vit pas seul. Il apprend aussi déjà, dans la société, il y aura des conflits. Je suis pour la classe de la maternelle, d'autant plus qu'un enfant qui fait la maternelle est plus habile et réagit vite. Et au cours de l'année, quand il intervient au CI et il écrit correctement, il n'est pas aussi ennuyé comparativement à un enfant qui quitte la maison. Sauter cette étape et inscrire directement les petits-enfants en classe de CI est-elle une bonne chose ou un handicap pour l'enfant? Enseignants et agents éducateurs donnent leurs avis. Parlant du processus normal pour l'école béninoise, c'est depuis la maternelle, on va dire de la maternelle 1 jusqu'au CM2 pour le cycle maternelle, le cycle primaire. Sur le plan académique, sinon sur le plan psychopédagogique, il y a même une très grande différence. Et il y a beaucoup plus de bénéfices à l'apprenant qui a fait d'abord par la maternelle. Déjà, comprenez que l'apprenant qui a fait 2 années d'école à la maternelle a eu le temps de faire son immersion pour l'apprentissage, c'est-à-dire
il a eu le temps de s'habituer aux contraintes de l'école. Quand les enfants viennent de commencer l'école, surtout les premières semaines sont difficiles à gérer. Il y a la gestion des crises, la gestion des pleurs, parce que c'est difficile. Il faut apprendre à se détacher des parents, des amis, des frères et sœurs à la maison. Mais l'enfant qui a déjà fait la maternelle a déjà eu cette expérience-là. Pour nous, les enfants qui proviennent de la maternelle, et ces enfants ont acquis plusieurs compétences. Et parmi ces compétences, nous pouvons citer la souplesse de la main et le langage qui est plus courant chez ces enfants. Et par contre, les enfants qui proviennent directement de la maison, c'est vrai que ces enfants aussi peuvent parler couramment, mais il y a la différence, c'est que la souplesse de la main, le manière de la main, ça, ce n'est pas bien observé à ces niveaux-là. Au-delà donc de tout ceci, la maternelle reste et demeure une étape très importante dans le cursus scolaire de l'enfant. Voilà un reportage présenté par Jeannot Dopéyan. Les apprenants du Centre de promotion des aveugles de Segbeya, eux, dans le département du littoral, ont aussi repris le chemin des classes enseignants et de la maternelle et du primaire, de même que les responsables de ce lieu de savoir s'activent non seulement à transmettre le savoir, mais aussi et surtout à semer la joie dans le cœur de ces enfants à besoins spécifiques. Ruth Runjo et Edouard Kakbo sont allés faire le constat. Voici leur sortie. Après 2 mois de distraction pour certains et de repos pour d'autres, l'heure de la rentrée a sonné. Debout ! Je me lève ! Assis ! Je m'assieds ! Nous sommes au centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou. Ces apprenants ont répondu présents pour le démarrage des cours dans ces classes inclusives de la maternelle et du primaire. L'on est content de retrouver ses camarades et de faire de nouvelles connaissances. Ça se passe bien. On a parlé des vacances, comment on a bien passé les vacances. Est-ce qu'on a bien mangé, on a bien dormi? Je veux dire à mes amis d'aimer le travail. Le travail est le salut de l'humanité et il ne faut pas baisser les bras. Nous sommes contents de commencer le cours. J'aimerais dire à mes amis d'aimer le travail parce que le travail nous honore. Le travail nous aide à assurer notre avenir. Assis devant leur tablette et poinçant, ces enfants à besoins spécifiques sont donc prêts pour dérouler normalement les cours. Nous avons accueilli anciens comme niveau une trentaine d'apprenants, dont un seul apprenant à besoins spécifiques, un non-voyant. Nous en avons d'autres qui se sont inscrits. Ils seront 5 à 6 comme ça dans le groupe de 25 apprenants non handicapés. Et ils ne sont pas encore venus, ils sont inscrits. On a la joie de retrouver ces enfants ensemble parce que ce n'est pas facile. Hein. Aujourd'hui, les enfants sont en classe et il y en a qui sont encore en train de venir. Certains ont repris aujourd'hui. Tout se passe très bien, les enseignants sont là, il y a la prise en main. Donc tout va se dérouler comme dans le calendrier national. Dans les centres de promotion sociale des aveugles, les cours sont dispensés en français, mais plus spécifiquement, l'écriture braille est celle utilisée pour transmettre les savoirs à ces apprenants un peu plus particuliers. Quand vous prenez une tablette, vous avez une cellule à 6 points ou une case à 6 points. Les points 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Alors là, c'est avec ces points-là que nous allons écrire tous les chiffres et les nombres de ce monde. Il faut faire voir aux enfants les images normalement. Or, nous sommes avec les malvoyants. Donc, on s'achemine vers une méthodologie qui leur permet de voir à travers les organes et non à travers les yeux. C'est donc parti pour 9 mois de cours intenses pour ces apprenants spéciaux qui ne rêvent que de réussir leur année scolaire tout comme les autres. Voilà, c'est sur ce dernier élément que nous allons refermer cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver via nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETL en direct, notre compte Twitter ETL Live, notre chaîne YouTube ETL Benin et puis via notre application iOS et Android ETL Benin. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée.